Regardez, Zélaïde, ils arrivent. C'est bon, la bombe est en place. Madame la préfète, juste une petite question. Est-ce légal qu'on s'occupe nous-mêmes des élections ? Absolument. On ne fait jamais qu'appliquer la directive GRD 2022. À partir du moment où un membre de chaque parti est présent, pas de problème. De toute façon, personne n'a envie de tenir la permanence. Et puis, on a un taux d'abstention qui frôle les 100%. Alors... Bien, il est 9h02. Je pense que tout le monde a voté, donc vous n'avez plus besoin de moi. On se dit à ce soir 21h. Mes hommages. T'es sûr? On les fait tous péter, ces gros cons. Non mais ce gros cochon de député, y a pas de souci, mais les deux autres, c'est nos pères quand même. Oui, bah je sais, Adéthée Laïd, ça va être dur, mais faut se dire qu'on fait ça pour leurs enfants, hein. Tiens, allez, courage. T'as raison, on fait ça pour leurs enfants. Hé! Mais attendez, mais... Si nous sommes les seuls à avoir voté, et qu'en sus, nous avons voté pour nous-mêmes, je suppose, comment diable allons-nous nous départager dans cette histoire ? De mon temps, on faisait voter les morts. C'est comme l'enveloppe parlementaire. On n'a plus droit, voilà. C'est ici qui vote les morts ? La bombe. Boum. Les boomers.